Les deux tiers du réseau SFR devraient être rétablis dans la journée en Charente. L'opérateur travaille sur le rétablissement des lignes après l'incendie qui a endommagé l'antenne relais de Saint-Saturnin. Le tiers restant du réseau devrait être rétabli demain en fin d'après-midi. Le robot des pompiers utilisé lundi soir à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris est fabriqué à Étré, en Charente-Maritime. Cet engin tout-terrain est aussi multifonction et c'est là son atout. Équipé de quatre caméras, de capteurs de température, de phares surpuissants et d'un canon à eau, il est piloté à distance, ce qui lui permet de prendre des risques à la place des humains. Mais le pompier qui le dirige n'est jamais loin derrière, l'œil humain ayant une appréciation du sinistre plus fine que celle de la machine. Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lelouch, mais aussi José Garcia étaient à Andernos hier soir pour présenter le film Nous finirons ensemble, la suite des petits mouchoirs. Plus de 400 personnes avaient fait le déplacement pour assister à la projection. Le film, tourné sur le bassin d'Arcachon et notamment au Cap Ferret, est diffusé en avant-première en Gironde. Il sortira dans les autres salles le 1er mai prochain. La 557e foire au jambon de Bayonne a débuté aujourd'hui avec le traditionnel concours du meilleur jambon fermier. 200 000 personnes sont attendues sur ces quatre journées. Au programme, une foire gourmande, des animations pour les enfants, mais aussi une ferme pédagogique. À noter que la braderie des commerçants s'est installée aujourd'hui et jusqu'à samedi midi dans les rues de la ville. C'est un atelier pas comme les autres qui se trouve à Pressas, dans le Lot et Garonne. L'atelier office crée des répliques grandeur nature d'animaux et d'hommes préhistoriques pour des parcs mais aussi des musées du monde entier. Des animaux en pièces détachées partiront d'ailleurs prochainement pour Dubaï.